Les circonstances sont que les services de renseignement détenaient les informations claires sur leur participation à un mouvement insurrectionnel. Voilà, nous sommes débarqués. L'un des chefs que nous avons retrouvé une arme AK-47 avec un chargeur. Et c'est ce qui nous pousse à dire qu'il y a une participation dans un mouvement insurrectionnel dans le territoire du Rumu. Et cela est grave à la violation de droit, l'article 190 de notre Constitution. En même temps, nous profitons l'occasion à appeler tous ces gens, de loin ou de près, de participer à un mouvement ou d'entretenir une jeunesse armée, que l'heure est de voler. Il est temps qu'ils puissent revenir au camp de la patrie, c'est-à-dire la République est supérieure à toute institution. Parce que personne n'est au-dessus de la loi. Vous êtes chef de secteur, vous êtes chef de chefferie, vous devez rester dans la droiture. Au cas contraire, nous avons eu les instructions claires de traquer tout cela qui s'associe à un mouvement pour instabiliser, semer l'insécurité à l'est de la République. Nous allons les traquer jusqu'à leur dernier retranchement. Jusque là, ils sont présumés, la justice puisse faire son travail et qu'eux aussi puissent répondre à leurs actes. Vous savez, on a été attaqués dans le territoire du Rumu, Nyuma Kilima. Donc c'est aujourd'hui que nous voulons présenter le présumé, bien sûr, à l'opinion publique pour décourager tout comportement incivique en cherchant à tenir les armes pour des raisons inavouées. Ça, nous n'allons pas se fatiguer. Et moi, je pense que l'ère du changement est venue. S'ils ne veulent pas changer, ils seront changés par les changements.